Un peu quoi, tu dis? Cali. Qualité. En fait, ça, je te dessine la piste, tu vois. Lui, il va partir là, deux fois. Tu vois, hein. Et puis là, si tu ne peux pas y aller. Et puis, hop. Et puis, un cadre de la fruit. C'est quoi? Non. Tu dois faire un bip sur la vidéo parce que c'est interdit. Pour la fois que je vais devoir censurer un truc dans la vidéo sans fil. Ouais, il va falloir biper, hein. Bip. Tu peux biper de toute façon. Ah oui, non, mais ça c'est si ça te marche. Ah, ça marche pas. Mais il faut que tu le mettes sur toi. Là. Combien, Vincent? 600 grammes. Moi je sais, que je les pèse tous, mes amis, pour savoir. Hein? T'as coucou. Là, c'est qu'il y a une son, bien. Les gens, ils vont vraiment me prendre pour un sauvage. Oh! Je fais une déclaration. Faut pas penser que j'ai des soucis dans ma tête si je gueule tout le temps. Voilà. C'est une manière, c'est un rituel pour se sentir bien, simplement. Voilà. C'est la bonne humeur. La bonne humeur avant tout. Non, non, non. La vitamine D. Arrête de filmer ça. T'en as pas besoin, toi. Non, j'habite dans le Jura. Vous, les Jurassiens, vous êtes tombés dedans quand vous étiez en vacances un jour dans le sud. Non, ils étaient en vacances dans l'Ain quand ils ont pris de la vitamine D. Tu sais, sur le plateau de Rotor, en stage au plan d'automne. La dernière fois que je suis allé au plan d'automne, mon gars, j'ai pris la douche de l'année. Et pour le summer, c'était pas ouf. Le mec le plus astute du groupe a choisi vélo cet après-midi. Bah, un peu de graisse. Oui, tu peux y aller. Il faut quoi, une veste, un bœuf, une paire de chaussures. Bah, elle est au pied, je suis con. Il faut une paire de jambes. Comme ça. Tu t'en es racheté? J'en ai toujours. Yorn, Ferdi. Ay, nasıl veriyor? Hani böyle heyyanın furehine soru. Ha, tuğsan tak ya. Là, tu vois quelque chose, mec? Hani böyle. Valdi bra. Hani böyle. Başı gu. En vrai, ta photo, Anto, si je la retouche un peu. Je vais demander à Antoine. Fais gaffe parce que vu que Fred est allé dans un talus, bon là ça a l'air d'aller. Hein. Ouais. Attends, tu vas. Fig, good Clippen. Ou Bridgestone. Michel. Après là, il est dommage, le lac, il n'y a aucune couleur qui ressort. Toi, t'es passé bon en photo là. Amateur. Ah, je sais pas quoi le dire. Hein. C'est mon travail qui juge. Moi je reste dans le travail. Moi je veux dire, c'est une passion, mais je bosse avant tout. Après, que ce soit bon ou pas bon, c'est ton problème, c'est ta vision. Moi je tape. Bon nombre. Tusen dank. Bonjour Louis. Bonjour. Joyeux 34. Hein. Alors, interview à chaud. Mio bras. Vous avez fait pile 34. La montre, elle m'a joué à ça le tour. J'ai fait 17 bornes. Hein? Elle, pour les 34 ans, il en manque juste 17. Non.
Mais ils ont été faits pourtant, c'est un vol. Bien joué les gars. Bienvenue Arthur les mouilles. Solide. Putain. Ils ont une drôle de façon de fêter les anniversaires, mais bon. Tout se respecte, hein. Je vais pas trop montrer de ski, mais là, il y a quand même une lune. Ça rend rien, monsieur, dame. Mais c'est vraiment beau depuis tout à l'heure. On se devait quand même de vous partager ça. Par respect. Il va venir ou pas celui-là? Faut pas se faire mal, hein. Non, attends, fais gaffe à lui quand même. Il est haut, hein, Yann. Ça pour un barbecue. Parfait. Pour un anniv d'un mec. D'un vieux de 34 ans. Il n'y a pas une scie. Non. Oh, il est pas si sec que ça. Hein. S'il pète pas. Non, non, non. Oh, les nouveaux anoraks de la Faye là. Et au défi, il y a une on va mettre un peu de gasoil, non? Tu vois une allumette, le loup, tiens, regarde, tu vois là les machins dans le truc que j'ai acheté là, tu vois. Dans la boîte, ça c'est des bandes. Oh, vire-lui de là parce que c'est inflammable ça. Ça a l'air de dormir un peu, c'est quelle heure là? 17h53. Petit dodo, usé dans la journée. C'est ça, si tu fais une... Elle s'est ratée l'autre. Il a oublié de tourner. Il est énorme, chiche. Oui, oui, oui. Extra. Le guacamole, il est... Laisse-moi manger avec mes mains.